Suite à la décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi, n'autorisant que 16 universités à recruter dans la filière des médecines sur l'ensemble du territoire national, les étudiants de l'université Joseph Kasavubu de Boma ont manifesté lundi dernier leur mécontentement par les barricades de route pour s'opposer à la dite mesure prise lors des états généraux de l'ESU à Lubumbashi. Cette manifestation a été au cœur des échanges entre le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makoso, assisté du président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vuemba et la délégation du comité de gestion de l'université Joseph Kasavubu, conduite par le maire de la ville de Boma, Marie-José Nyongo. Après présentation du problème par le maire de la ville, les deux personnalités de la province ont promis d'apporter les preuves de viabilité de cette institution auprès du ministère des tutelles afin que cette université soit épargnée de cette décision. Notre fierté, c'est que le gouverneur de province, le président de l'Assemblée provinciale, se sont portés garants pour non pas expédier, mais déposer les preuves. S'il y a contre-expertise, on est prêt. Le chef de l'exécutif provincial ad intérim a en outre pris l'engagement d'électrifier et de raccorder le site universitaire de l'UKV Boma. La clinique universitaire est déjà construite, elle est prête, il y a du matériel, il manque seulement l'eau et l'électricité pour que la clinique commence. Pour le laboratoire, mêmement, les équipements sont là, il manque l'eau et l'électricité. Pour cela, c'est une décision salvatrice qui vient s'ajouter aux côtes qui doivent être améliorées pour que l'université Kasavubu reprenne sa valeur d'antan. Présent à cette séance, le coordonnateur des étudiants de l'UKV, Francis Mavinga, apaise les esprits. Je demande à tous les étudiants de l'université président Joseph Kasavubu de se calmer parce que nous sommes déjà rassurés que dans peu de temps, nous aurons une solution.